Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo découverte, test éclairé et argumenté d'MXGP 2020, l'une des nouvelles sorties de la fin de l'année 2020 que l'on teste seulement maintenant. Alors pour vous parler un petit peu de ce jeu, quelques chiffres tout d'abord, et comme dans chaque test, eh bien on passera en revue étape par étape ce que je pense de mon expérience de jeu. Alors au niveau des statistiques, est-ce qu'on peut retrouver sur les boîtes? C'est un jeu édité et développé par Millstone Italy, initialement sorti le 16 décembre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Une sortie PlayStation 5 est imminente en ce début janvier. Les langues audio et textuelles sont en français et en anglais. Sur PC, Steam, support manette, évidemment, support clavier aussi. Le jeu annoncé donc ce 14 janvier sur PS5 avec des modes de jeu différents. Il y a du multi, du solo, de la carrière, bref, il y a de quoi faire. En tout cas, pour vous donner aussi un tour d'horizon de ce que l'on va évoquer dans ce test, vous allez avoir le chapitrage désormais disponible sur YouTube qui vous permettra de naviguer dans chacune des sections de cette vidéo. On débute tout de suite avec le contenu. Qu'y a-t-il à se mettre sous la dent dans ce jeu? Tout d'abord, les 68 pilotes officiels des saisons MXGP et MXGP 2, les deux catégories du championnat du monde de motocross, 19 circuits officiels qui sont donc proposés dans des versions où l'on peut avoir des variantes de météo, sèches ou pluvieuses. On a également un mode multijoueur, des DLC qui vont être annoncés et surtout un contenu intéressant en termes de mode de jeu. Alors les modes de jeu, il y en a pas mal quand même, même si au niveau contenu je suis plutôt satisfait parce qu'on ne peut pas attendre beaucoup plus, hein. C'est comme en Formule 1, hein. Les jeux de Formule 1 pourraient vous dire oui mais on voudrait 50 voitures en plus, ben là c'est un peu pareil, des motos historiques peut-être, ça pourrait être sympathique mais je ne pense pas que ce soit la volonté d'MXGP, surtout de Millstone, et pour des raisons qu'on va évoquer plus tard, la série semble tourner un petit peu allègre. Alors, la réalisation, je le disais, c'est un moment important dans ce jeu qu'on évoquera plus tard. Je parlais brièvement des modes de jeu, les voici. Le mode solo, bien sûr, le mode contre la montre, où on va pouvoir se battre en faisant du tour par tour tout simplement. Le mode multijoueur, on peut retrouver des lobbies avec ses potes ou parfois avec des bots. Et oui, ça arrive. Une création de map dans un environnement unique qui vous permet de définir vous-même votre tracé avec énormément de possibilités à l'image de Trackmania, de son éditeur de circuit. C'est très complet, c'est pas toujours bien fait, mais dans ce cas-ci, c'est plutôt réussi. Un mode carrière qui vous fera prendre le rôle est un nouveau pilote que vous allez créer de A à Z, personnalisé également avec des stickers, des numéros et des affinités sponsors et constructeurs. Bien sûr, le mode donc Playground, Waypoint, qui vous fera aussi du point par point. Voilà, c'est à peu près tout et pourtant il y a déjà beaucoup de choses à faire. Le temps de finir le mode carrière, le temps d'aller tester et de découvrir des maps, c'est là aussi très sympa. Mon avis sur les modes de jeu, c'est qu'ils sont extrêmement classiques. Le mode de création de nouvelles maps est intéressant. Un seul environnement, ça c'est dommage, mais surtout, il n'y a pas de possibilité de télécharger ou d'obtenir les maps de la communauté. Il n'y a pas de hub, il n'y a pas de partage. C'est un peu dommage, ça enlève le côté communautaire qui aurait été très intéressant, là où d'autres jeux ne se sont pas privés de le faire récemment, à l'image de Dirt 5. Alors j'ai évoqué brièvement les soucis de réalisation, on peut noter tout de même qu'on garde quand même des affichages et des textes français. Au niveau de l'ambiance, du ressenti évidemment du jeu, on a un gameplay qui est très rigide, on a un jeu qui n'est pas trop lourd à installer, donc ça va, vous n'allez pas non plus gâcher 50 Go de votre disque dur pour jouer à ça, fort heureusement quand on voit le résultat que l'on a sous les yeux. Un jeu qui est plutôt fluide, un jeu qui est plutôt bien réalisé en termes de stabilité, j'ai pas eu de retour bureau, ce qui est pourtant régulier quand je teste des jeux après leur sortie. Un support manette qui est plutôt correct, on a des bonnes vibrations et un bon ressenti, par contre, on y reviendra au niveau du gameplay, des petits soucis. Alors, la réalisation est assez basique et on a quelques problèmes. Les temps de chargement sont particulièrement longs, entre chacune des motos d'une même catégorie, on peut parfois avoir 5 à 10 secondes vraiment pour juste charger une déco et en fait elle ne s'affiche pas, on fait un retour sur le menu de sélection des paramètres de sa course et là la moto arrive par miracle, donc ça c'est un petit peu dommage. Les mises en scène, les introductions, l'ambiance, toujours pareil, une Monster Girl, les mêmes plans, les mêmes images, les mêmes points de vue, donc vraiment on a très vite fait de zapper ce qui est fait au niveau de l'introduction d'une course.
pendant la course, là aussi, on a des petits soucis au niveau des ombres, alors qu'ils ne sont pas pixelisés, mais qui arrivent très tardivement parfois. Des reflets très douteux, ça scintille, ça brille parfois de manière pas du tout justifiée. Par contre, il faut le reconnaître, les couleurs sont propres. Alors on a un petit peu perdu, je trouve, par rapport aux dernières années en réalisation, en regardant des petits détails, par exemple le maillot du pilote qui flotte, la boue, les bottes, les petits détails comme ça. Ça s'est un petit peu détérioré ces 2-3 derniers épisodes. Même si le MXGP 2019 était pour moi un excellent cru, ce 2020 ne fait pas du tout le travail. C'est un point très important aussi, mais dans l'ambiance sonore, c'est une transition importante, mais là aussi, par contre, on a un très bon travail. C'est-à-dire que une fois que vous êtes dans la course, bah vous êtes vraiment dedans. Une ambiance sonore avec un public qui réagit à vos actions. Donc un accident, un gros jump, un beau scrubs, vous allez évidemment avoir tout ça qui va être réagi avec un public qui va faire « Oh !» qui va réagir à votre action. Donc une ambiance globalement plutôt réussie. Les effets des caméras là aussi avec le son qui change lorsque vous êtes en vue première personne, surtout dans le casque, ça ajoute un petit effet claustrophobe, vous savez, un peu pris dans un casque. C'est très sympa. Les sons moteurs sont aussi au rendez-vous et les effets de la météo là aussi quand on passe dans une rivière, c'est possible, dans une coulée d'eau, dans la boue, etc. On a vraiment le bruit qui est bien réalisé, donc l'ambiance sonore de ce jeu est plutôt une réussite. Bon, vous allez me dire, on a passé un peu en revue la structure, le corps de ce jeu. Maintenant, prenons le temps de parler de ce qui fâche, le gameplay. Alors, c'est très compliqué pour moi de détruire ce jeu gratuitement parce qu'il ne le mérite pas. Surtout que la licence, dans sa globalité, n'a eu que des réussites, à part le MXGP 3 de mémoire qui était assez raté. Mais les MXGP 2018-2019 et les premiers MXGP 1 et 2 ont toujours été pour moi vraiment des réussites. J'ai toujours kiffé ces jeux-là, j'en ai fait des streams, j'en ai fait des vidéos. Mais même pour mon plaisir personnel, se retrouver avec tout simplement une soirée où on est entre potes et on veut jouer, ben oui, en multi, c'est vachement sympa. Donc, moi, j'ai toujours adoré cette licence. Ça m'a fait réapprécier les jeux de motocross qui étaient, pour moi, un petit peu tombés dans le désintérêt depuis les MX versus ATV et tout ça. J'avais un peu perdu ce feeling avec cette licence, en tout cas ce type de jeu de course. Et là, on retrouve une physique qui est catastrophique, rigide, aléatoire. On a une physique qui a été reprise, on dirait, vous savez, de ce jeu Monster Energy Supercross qui est sorti il y a peu de temps par les mêmes développeurs et qui était un fiasco total. Et je ne comprends pas parce que ça ne va pas du tout avec ces motos. Il n'y a pas de fluidité, il n'y a pas de souplesse, on ne sent même pas l'écrasement de la fourche, enfin les freins, la détente, la suspension, tout ça était tellement bien géré avant, que ce soit dans les vibrations, dans le retour, on avait un jeu qui pouvait être soit arcade, soit plutôt poussé. Au niveau de l'IA, c'est pareil, on a une IA qui est débile, qui tombe pour un rien, qui n'a pas de logique. Avant, elle pouvait vous taper dedans, vous tombiez. Maintenant, quoi qu'il arrive, vous êtes indestructible. Des murs transparents, ce qui fait que vous pouvez arriver, mettre la moto à quasiment le genou par terre à 50 degrés. Vous allez longer un banking dans un des virages sans tomber. La fois d'après, vous allez tenter. Vous savez, des fois, vous glissez un peu sur le bord de la piste et vous êtes un peu hors circuit. Eh bien, parfois, en ligne droite, on vous met un chrono de 5 secondes qui décompte, mais des fois, vous êtes cut complètement comme si vous avez juste pas le temps de vous reprendre, vous savez. C'est un peu comme quand vous apparaissez dans un jeu de rallye et que vous sortez vers le public, tout de suite, le jeu se coupe pour pas que vous écrasiez le public. Ben là, c'est un peu pareil. Et ça donne un sentiment de frustration énorme. Et il n'y avait pas ça dans les précédents. Je ne comprends pas pourquoi ils ont été aussi rigides et aussi difficiles avec eux-mêmes, parce que ça rend le jeu tout simplement injouable. Encore, je vous ai pris quelques semaines pour laisser une chance au jeu parce que j'ai eu énormément de soucis et je ne suis pas le seul. Le jeu était sorti sans vue première personne, les caméras sont plutôt bonnes, mais vous savez, ce sentiment d'être assis sur une moto, d'avoir une vue qui était plutôt bien réglée dans les anciens, ici, on a un sentiment de flottement un peu gerbotron, donc si vous êtes un petit peu sensible à ça, faites attention. Et ça, c'est pas présent dans le précédent. Donc vraiment, c'est spécifique à ce jeu. Moi, j'ai pas aimé du tout la vue première personne, là où je m'éclatais dans l'ancienne. Donc vraiment, j'ai pas compris pourquoi ils se sont orientés par là. Est-ce qu'ils ont été obligés, par raison de budget, de ne pas faire évoluer MXGP 19 et donc reprendre une autre physique qui ne fonctionnait déjà pas? En tout cas, ils ne convient pas à ce genre de moto. On n'est pas dans des stadiums, on est vraiment sur des grandes courbes, des grands sauts, des grandes allées. Et là, ça ne marche pas. Bon, la difficulté globale et l'IA est correcte, même si moi, en mode normal, sans assistance au frein, avec les vitesses manuelles, je dois vous dire que parfois, il faut bien se cracher dans les mains pour réussir à faire quelque chose.
ça met du temps, mais le plaisir arrive. J'ai pris plaisir sur certains circuits où c'est pas trop exigu en fait. C'est-à-dire que les circuits qui sont vraiment tortueux, serrés, montagneux, beaucoup les plus techniques finalement, c'est là où le jeu est le moins agréable parce que les motos ne sont pas compréhensibles. Des fois tu freines, tu vas bloquer, tu vas passer au-dessus, ou des fois tu vas freiner, ça va être mou. Donc ça n'a pas de sens dans le comportement. Enfin, il y a vraiment des différences, des distorsions de gameplay qui sont à la limite de l'incompréhensible. Donc ça, c'est pour moi le gros point noir. Mur invisible, les sorties de piste, les freinages et la physique de la moto, ainsi que les caméras. Tout ce qui fait la base d'un bon jeu, c'est raté. C'est pas raté, c'est juste pas adapté. Parce que c'est propre, hein, ça a une logique, mais pas la logique des motos de motocross des MXGP. Je suis désolé, c'est vraiment pas ce que j'attends d'un jeu comme celui-là. Donc non, le gameplay est très frustrant. Bon, vous allez me dire, Maxou, là tu viens quand même de tailler une belle tranche hein, de ce MXGP. Mais c'est mon rôle aussi parfois de vous mettre en garde quand un jeu n'est pas à recommander ou n'est pas à plébisciter. J'ai pas évoqué avec vous le mode carrière pour l'instant parce que le mode carrière est assez succinct. Vous enchaînez les courses, vous avez votre calendrier, vous évoluez, vous débloquez des sponsors. Alors il y a plus de 110 sponsors qui sont de vrais sponsors. Là aussi c'est un petit plus aussi quand même au niveau de l'exploitation de la licence. C'est agréable, vous avez le lien avec vos constructeurs, vous évoluez, mais c'est de l'ultra basique, donc je ne vais pas m'étaler dessus parce que c'est du vu et du revu. Ça ne fait qu'un peu plus de 10 minutes que l'on parle ensemble et pourtant il est déjà l'heure de conclure sur ce test d'MXGP 2020. Alors si vous aviez encore des doutes, ce jeu n'est vraiment pas terminé. Est-ce qu'il est à forcément abandonner, à tout de suite à emmener dans le fond du jardin pour lui tirer une balle en argent dans la nuque? Non. Je pense que pour le moment, il est préférable d'aller chercher un MXGP 2019 d'occasion, deux fois moins cher, deux fois plus complet, deux fois plus stable et deux fois plus sympa avec une communauté encore très présente. Je pense que beaucoup de passionnés vont bouder cet épisode en attendant sans doute le prochain puisqu'il ne faut pas tout de suite enterrer la licence. On n'est pas là sur une version de grid ou de dirt où parfois on a perdu un petit peu la communauté. Non, là c'est une erreur de parcours. J'ai l'impression que c'est une sortie de route ce MXGP 2020. Donc ne sautez pas dessus, surtout au prix plein, attendez les soldes. Ou tout simplement, prenez MXGP 2019. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Retournez sur le précédent. Alors, le test est disponible également sur ma chaîne YouTube. Il y en a plein d'autres. Et aujourd'hui, on voit encore plein de streamers qui font aujourd'hui sur Twitch du contenu sur ce MXGP 19 qui reste une très bonne référence. Donc, voilà quel est mon conseil aujourd'hui. Passez votre chemin sur ce MXGP 2020. Les fans hardcore de la discipline l'ont déjà acheté, donc n'ont pas attendu mon test pour savoir ce que j'en pense. Mais moi, je vous déconseille d'acheter ce jeu aujourd'hui parce que il n'est pas fini. C'est un test à prendre en l'état. Si jamais vous voyez cette vidéo d'ici quelques mois, quelques semaines, les choses auront peut-être changé. C'est sans doute le cas avec bon nombre des jeux qui vont être patchés. On attend quelques nouveautés, mais pas de quoi révolutionner ce MXGP 2020 qui, pour moi, restera bien au chaud dans ma lutte de Tech Steam, en attendant peut-être de le ressortir d'ici quelques semaines et des améliorations apportées. Merci à tous d'avoir suivi ce test éclairé et argumenté. J'ose espérer que mes 20 heures de jeu sur ce titre, qui n'ont pas forcément toujours été une partie de plaisir, vous auront éclairé. Vous avez dans la description tous les liens importants. Vous pouvez même retrouver le lien du jeu sur mon partenaire Games Planet. Merci d'ailleurs à eux de m'avoir fourni au mois de décembre une clé. Merci aussi à Core Media, qui m'a permis d'obtenir plusieurs informations importantes à propos du jeu, les assets, les délais, etc. Merci à Thomas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir d'autres tests, rendez-vous sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, je vous souhaite bon amusement les amis, quel que soit votre jeu de course favori. À la prochaine !